La santé est une question essentielle pour les entreprises. Pour en parler avec nous, Vincent Roulet, vous êtes maître de conférence et aussi avocat. Vous avez animé un mini-atelier dans la tente du MEDEF lors de cette université d'été du MEDEF 2015. Qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs sur cette question ? Je leur dis d'abord attention parce qu'au 1er janvier 2016, il y a des nouveautés. Il y a la généralisation des garanties frais de santé. Il y a également l'essor du nouveau contrat responsable qui a commencé en 2015, qui va continuer notamment au 1er janvier 2016 et qui s'achèvera en 2018. Je leur dis de faire attention, mais pour autant, ce n'est pas nécessairement qu'une source de danger, c'est aussi une source d'opportunité pour les entreprises, valoriser leurs salariés, leur offrir un mode de rémunération intéressant pour eux. Donc c'est le moment de faire attention, mais de réfléchir et d'essayer de créer quelque chose de positif avec ces nouvelles contraintes. Mais alors, quelles questions ils doivent se poser ? Parce que j'imagine que quand on est une start-up ou quand on est une ETI industrielle, on n'a peut-être pas forcément les mêmes besoins sur ces questions-là. Alors, la première vraie question à se poser, celle pour les petites entreprises, pour les start-up, les questions à se poser, c'est d'abord éviter la mauvaise surprise et est-ce qu'on est bien conforme aux nouvelles dispositions légales ? Bon, ça c'est le premier point, mais il suffit d'aller voir n'importe quel professionnel, un courtier, un avocat, un assureur, qui très rapidement résoudra cette question. L'autre question à se poser, c'est un peu toujours la même quand on essaye de faire attention à ses collaborateurs, c'est de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont envie, et d'essayer de construire quelque chose avec cette envie, avec ses besoins éventuellement. Donc se renseigner, faire attention à ses salariés, et puis ensuite en tirer les conséquences. Qu'est-ce qu'ils oublient de faire en ce moment? Les entrepreneurs pensent être aux normes, ou pensent ne pas être très loin, mais c'est peut-être pas forcément le cas. Alors, ils ne sont pas nécessairement aux normes parce que les choses ont beaucoup bougé, donc il leur a fallu un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation, ils sont en train de le vivre. Il faut qu'ils soient juste vigilants, qu'ils se retournent vers leurs conseils au sens le plus large du terme, leur assureur, leur courtier, encore une fois, leur avocat, qu'ils assurent que tout va bien et à partir de là, il n'y a plus de danger particulier. Ensuite, vraiment, moi, l'idée sur laquelle on essaye d'insister, c'est cette idée de proactivité, d'aller au-delà de l'obligation pour essayer de créer de la valeur avec ces instruments de rémunération. C'est comme ça que ça devient intéressant. S'il s'agit simplement de respecter la loi pour la respecter, pourquoi pas, mais la valeur ajoutée est assez faible. Donc faire attention à ses salariés dès l'instant où le rythme des affaires laisse un peu de temps. Faire attention à ses salariés, c'est la question, en tout cas la problématique que nous avons essayé d'aborder lors de ce court entretien. Merci à vous Vincent Roulet, je le rappelle, vous êtes maître de conférence et avocat chez BRL, avocat. Et nous sommes toujours à Jouan-en-Josas pour cette université d'été du MEDEF 2015. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup.